Les différents types de pénis que vous pourriez rencontrer dans votre vie. Le pénis de chaque homme est différent. Ce n'est pas un secret. La vraie question est, combien de types de pénis y a-t-il? Nous avons demandé à trois experts, Ian Kearney, Ph.D. et auteur de She Come First, Dobby Erbenik, Ph.D. et éducateur de la santé sexuelle à l'Institut Quincy ainsi que Joseph Aluka, M.D., professeur adjoint d'urologie et directeur de la santé reproductive masculine à New London Medical Santé. Selon ces derniers, vous pourriez rencontrer 8 pénis différents dans votre vie. 1. Le pénis circoncis. Description: la peau qui recouvre le pénis, soit le prépuce, a été supprimée. Anecdote: c'est le type de pénis le plus commun dans le monde. Astuce: des recherches antérieures ont montré que des pénis circoncis peuvent être moins sensibles que les pénis non circoncis, car ils n'ont plus de prépuce. Étant donné que vous êtes probablement habitué à ce genre de pénis, procédez comme à l'habitude. 2. Le pénis non circoncis. Description: le prépuce est laissé intact. Anecdote: les hommes non circoncis doivent entretenir davantage leur pénis afin de le garder propre, car des bactéries se retrouvent piégées dans la peau du prépuce. Astuce: étant donné que le prépuce descend en même temps que le pénis s'érige, cela contribue à le stimuler. 3. Le pénis qui grandit. Description: le pénis est plus grand en érection qu'en repos. Anecdote: d'après le constat d'une enquête internationale sur la santé des hommes, 79 des hommes ont ce type de pénis. Astuce: pendant les préliminaires, enveloppez fermement vos doigts autour de la base du pénis. Cela le rend plus dur, du moins en théorie, en plus de l'aider à atteindre le plein potentiel de sa taille. Cela peut également l'aider à retarder son orgasme afin qu'il puisse apprécier le sexe plus longtemps. 4. Le pénis qui ne grandit pas. Description: le pénis a plus ou moins la même taille qu'il soit en érection ou au repos. Anecdote: selon la même enquête, 21 des hommes ont ce genre de pénis. Astuce: si vous êtes impressionné par la virilité de son sexe lorsque vous le verrez en érection, dites-lui. Il appréciera certainement le compliment. 5. Le pénis courbé. Description: en érection, le pénis plie légèrement de chaque côté. Anecdote: lorsqu'il est au repos, le pénis semble assez simple. C'est seulement lorsqu'il est en érection que la courbe s'affiche. Astuce: essayez autant de positions que vous le pouvez afin d'avoir une meilleure idée de celles qui vous conviennent le mieux. 6. Le petit pénis.
Description: pour être considéré comme étant médicalement petit, un pénis doit être à 2 écarts-types de la longueur moyenne, ce qui signifie qu'il mesure un peu plus de 3 pouces en érection, souligne Alucal. Anecdote: les chercheurs n'ont pas encore mesuré la circonférence des pénis de façon formelle. Il n'y a donc pas de chiffre établi à propos de la largeur moyenne, précise Alucal. Astuce: essayez la technique de l'alignement coïtal. Quand son os pelvien s'appuie directement contre votre clitoris, cela augmente votre plaisir. 7. Le grand pénis. Description: les pénis qui mesurent 7 pouces ou plus lorsqu'ils sont en érection ont environ 2 écarts-types de plus que la moyenne qui est de 5 pouces, souligne Alucal. Anecdote: il est pratiquement impossible pour un pénis d'être aussi grand, car il sera physiquement incapable de vous pénétrer sans vous faire mal. Astuce: assurez-vous que vous êtes suffisamment lubrifié et attardez-vous sur les préliminaires. 8. Le pénis imprévisible. Description: il n'est pas toujours dur lorsqu'il devrait l'être. Anecdote: environ 40 des hommes ont des pénis qui ne fonctionnent pas toujours comme ils le devraient, indique Alucal. Qui plus est, un pénis imprévisible pourrait être indicateur d'un problème de santé grave. Astuce: si votre homme a des difficultés avec son pénis, il est important que vous le supportez. Ne faites pas semblant de ne pas vous inquiéter, car vous êtes inquiète et il le sait. La meilleure chose à faire est de lui faire savoir que vous ferez en sorte de comprendre ses difficultés ensemble. Environ une semaine après, rappelez-lui ce qui s'est passé, parlez-en et planifiez un rendez-vous avec un médecin, explique Alucal. De cette manière, il saura que vous êtes là pour lui et que vous voulez que son pénis fonctionne aussi bien qu'avant.